Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de vendredi soir. Soyez bénis. Shalom. Je vous appelle de la Côte d'Ivoire et j'ai eu Kangoka que je suis depuis plus d'un an par le petit frère d'un confrère et j'étais venu pour exposer un problème de santé visuelle. Et lors de la prière du samedi 12 novembre 2022, j'ai eu des paroles de connaissance. Et en décembre 2022 et janvier 2023, j'ai constaté que j'avais d'autres pathologies, telles que l'épaule gauche qui me faisait mal suite à une chute, donc qui me faisait mal et qui a cessé de me faire souffrir. J'avais des douleurs lombaires qui ont aussi disparu. J'avais une constipation constante et chronique et tous ces maux se sont estompés. Et le quatrième mal que j'avais, c'était le nerf sciatique du pied droit. Et au bout d'un certain temps, j'ai constaté que je n'ai plus de mal de ce côté-là. Et il n'y a pas eu de manifestation extraordinaire à part les pets et peut-être beaucoup de crachats. Et donc, je viens pour faire ce premier témoignage et j'incite tous ceux qui ont quelque chose à témoigner, même pour un petit bobo, un petit mal, ils n'ont qu'à le faire. Et je viens bénir le Seigneur Jésus-Christ, je viens bénir son serviteur Christ pour l'émission, bénir sa femme, ses enfants, ses intercesseurs, ses coéquipiers, et leur dire merci pour tout le bien qu'ils font à l'humanité. Merci au Seigneur Jésus-Christ, merci à Kangoka, Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. J'habite à Kinshasa. Je connais l'émission Kangoka à travers une amie qui restait en France, qui avait eu aussi la grâce à travers cette émission de Kangoka. Elle a fait 12 ans de mariage à avoir un enfant. Mais à travers cette émission de Kangoka, il a eu l'enfant. Et Dieu a fait grâce et beaucoup de choses dans sa vie. Il a restauré sa vie. En tout cas, Dieu est grand. Un jour, mon ami m'a envoyé des émissions d'audio. Il m'a envoyé des téléchargements, des témoignages. Mais je n'étais pas vraiment intéressée à ça. Il m'envoyait, il me demandait si j'ai écouté, je lui dis j'ai écouté. Mais moi, personnellement, je n'avais rien fait, je n'avais pas téléchargé, je n'avais pas écouté, je ne voulais pas ça. Mais un jour, je suis tombée malade, je suis vraiment tombée malade. Et j'avais fait un mois la maladie, j'étais partie à l'hôpital. Et on a fait les examens, on a fait tout, on n'avait rien trouvé. J'étais vraiment souffrante. Et j'ai appelé mon ami pour lui demander est-ce qu'il peut m'envoyer encore des prières là de Kangoka, des missions. Il m'a dit, ah, pendant tout ce temps-là, je t'ai envoyé. Donc jusqu'à aujourd'hui, tu n'avais pas encore téléchargé les missions Kangoka. Je lui ai dit, ah, m'envoyer, mais moi, je ne suivais pas ça. Je n'étais pas vraiment intéressée à ça. Mais, pardon, vraiment, je suis vraiment dans les besoins. J'ai besoin de la prière. Je suis vraiment malade ici à la maison. Ça fait un mois que je souffre. Je fais les examens, mais on n'a rien trouvé. Il m'a dit, ah, je n'ai pas l'argent de te donner. Je n'ai pas aussi l'or. Je peux te donner. Moi, je sais que Dieu qui a fait beaucoup de choses dans ma vie, qui m'avait restauré, m'a donné aussi l'enfant. Le Dieu là, il va t'aider aussi parce qu'il est en train de guérir beaucoup de maladies, beaucoup de témoignages qui se passent dans l'émission. Il va aussi t'aider. Depuis ce jour-là, mon ami a pris la peine de m'envoyer des audios de la prière, des audios de témoignages. Chaque jour,
matin et soir, et je t'ai donné le travail. Je peux dire ça, le travail de me télécharger, de m'envoyer pour que je puisse commencer à écouter matin, soir, matin, soir, matin, soir, matin, soir. À partir de ce jour-là, moi aussi, j'écoute chaque jour, matin, soir, chaque instant, chaque jour. Et Dieu a fait grâce. Dieu vraiment m'a fait grâce. Aujourd'hui, j'ai commencé à me réveiller, et j'ai commencé à marcher, j'ai commencé à me laver seule, j'ai commencé à parler, mes pieds et rempli aussi sur terre, parce que avant j'étais là, je dormais sur la chaise, je ne dormais pas au lit, je dormais sur la chaise comme j'avais des douleurs partout, j'avais des douleurs aux côtes, j'avais des douleurs aux poumons, j'avais des douleurs au dos. Il n'y avait pas moyen de dormir. J'étais seulement là-bas, à la chaise, avec des coussins par-ci, par-là. Des douleurs, je me réveillais avec des douleurs, j'ai dormi avec des douleurs, je me réveillais avec des douleurs, je dormais avec des douleurs. Il n'y avait pas vraiment de solution. Je suis rentrée encore à l'hôpital, et à l'hôpital, depuis que j'étais partie là-bas, on me donnait seulement les médicaments, mais ça n'avait rien fait. Les docteurs ont décidé de me faire sortir à l'hôpital. Pourquoi? Parce que le docteur m'a expliqué qu'ils ont fait tout ce qu'ils pourraient faire, mais ils ont vu rien du tout. Vraiment, j'ai fait des examens, j'ai fait des scanners, je pensais que peut-être je peux avoir de la gastrite. On a fait des examens de sang, on a fait tout, j'ai essayé tout, tout là. On n'avait rien trouvé. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire encore? Mais je vais rentrer comment à la maison? Je ne marche pas, je ne fais rien du tout. Avec des douleurs, que je commande, comme je suis en train de crier comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Après un moment, j'ai pris mon téléphone, j'ai mis les prédications. Après les prédications, il y avait des témoignages. J'ai écouté aussi la prière. Je me suis dit, je suis obligée de rentrer à la maison, ça n'a rien à faire de rester à l'hôpital. Mais comme le docteur a décidé, je me suis dit, ce n'est pas grave. Mais à ce moment-là, j'ai dit à mon Dieu que maintenant c'est toi le docteur. Le docteur aussi l'a dit que lui, il a fait tout ce qu'il pourrait faire. Maintenant, c'est ta volonté qui se fait dans ma vie. Parce que c'est toi le docteur des docteurs. Le lendemain, je suis rentrée à la maison avec toujours des prières d'un grand kouka. Et Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, je commence à marcher, je commence à me laver seule, je commence à faire maintenant tout moi-même. Par la grâce de Dieu, tout est parti parce que les grandes parties est partie. Et je suis rentrée encore à un autre hôpital. Fait les examens, on m'a révélé que j'avais de l'eau dans les poumons. J'avais de l'eau dans les poumons et c'est l'eau-là qui me donne beaucoup de douleurs. Mon ami m'a envoyé des prédications. C'était les dimanches, les prédications des samedis. Maintenant, après les prédications, l'homme de Dieu a dit qu'on va prier. Après la prière, dans la prière, là, l'homme de Dieu a dit qu'il y a une maman qui a de l'eau dans les poumons. Dieu l'a guéri. Dieu l'a guéri. J'ai dit à mon Dieu que c'est moi, je le reçois. Je le reçois, je le reçois, je le reçois. Mon Dieu, c'est moi, mon Dieu, c'est moi. Dans la prière, je suis en train de prier. J'ai commencé à cracher, j'ai commencé à cracher, j'ai commencé à cracher. J'avais envie de vomir, mais il y a seulement des crachats qui est en train de sortir. Mais il n'y avait pas de vomissement. Le lendemain, je me suis réveillée. Le matin, je suis partie à la douche pour me laver, commencer à brosser. J'avais envie de vomir, vomir comme ça. J'ai vu le sang. Le sang est sorti. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? De l'eau dans les poumons, maintenant, ça commence à faire sortir du sang comme ça. Je vais faire comment? Après, ça ne va pas continuer. Ça a coupé. Je me suis lavée et puis je suis rentrée dans ma chambre, m'habiller.
J'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier. Après un moment, je me suis dit, ça peut être ma guérison, délivrance, Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré. Et j'avais vraiment les jours-là des douleurs intenses, des douleurs. J'étais dormie vraiment avec des douleurs. Je prenais le médicament, mais ça n'avait pas tenu. Des douleurs. Après, le lendemain, j'ai senti que toutes les douleurs-là sont parties. Je me suis dit que Dieu m'a guéri. Enfin, je suis libre, je suis libérée. C'est pour cela que je suis venue vers vous, peuple de Dieu. Dans l'émission Ganguka, il y a un Dieu vivant. Il y a un Dieu vivant vraiment. Jésus est vivant dans l'émission Ganguka. Il est en train de guérir les enfants de Dieu. Il est en train d'opérer des miracles dans ce monde. Si vous écoutez ça, vous suivez tous les principes que l'homme de Dieu est en train de donner, ne pourrait pas être déçu. Parce que moi-même, j'ai vu ça dans ma vie, ici, dans la maison. J'ai vu ça. Suivez l'émission Ganguka, suivez des témoignages. En tout cas, Dieu va faire beaucoup de choses à travers cette émission. Il m'a restauré. Il m'a remis encore au chemin de Dieu. Je suis en train d'avoir envie de prier à tout moment, à tout instant. Même ma façon d'être, de parler, ça a changé à travers cette émission, à travers des prédications, à travers la prière. Et j'ai compris que Dieu est vivant et Dieu, il agit. Si vous le cherchez, vous avez le retrouver. Et si vous avez la foi, comme toujours, homme de Dieu dit, faut avoir la foi. Faut vraiment avoir la foi. Si vous avez la foi, Dieu vraiment va vous aider. Vous savez, quand mon ami me disait que, oh, j'ai accouché, j'ai eu l'enfant, j'ai accouché. Moi-même, je me demandais, mon ami a accouché. En tout cas, Dieu est vivant. Dieu est vraiment dans cette émission. Parce que depuis longtemps qu'elle était mariée, jusqu'à aujourd'hui, elle n'avait pas eu d'enfants. Maintenant, Dieu a fait grâce dans sa vie. Ça veut dire que moi aussi, Dieu va faire grâce, va aussi m'aider à travers des témoignages, de gens, de mes frères et sœurs. Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a délivré, Dieu m'a remis encore sur terre. En tout cas, je rends grâce à Dieu. Je remercie tous les intercesseurs. Je remercie la famille Ganguka, la famille Chris et sa femme. Je remercie les partenaires. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je remercie aussi les frères et sœurs qui donnent leur témoignage. Parce qu'à partir des témoignages, on est fortifié. On a la foi. On a eu du courage de nous dire même si je suis malade. Mais à travers ce témoignage, moi aussi, Dieu peut. Moi aussi. Je suis venu vous remercier. Je suis venu rendre grâce à Dieu. Dieu m'a guéri. Dieu est vivant. Jésus est vivant. Merci. J'ai témoigné. Que Dieu vous bénisse. Shalom mes frères et sœurs dans le Seigneur, je suis une sœur congolaise, j'habite en France, précisément sur Paris. Je viens de témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai connu Ganguka par le biais d'une ancienne collègue, une ivoirienne. La collègue m'avait parlé de cette mission, comme quoi Dieu lui avait visité par rapport au dos. Elle a évité une opération très, très grave. Et en écoutant les témoignages, en écoutant les prières, et Dieu l'avait visitée. Donc, elle m'avait parlé de ça. Elle m'a dit, ma sœur, tu prends des médicaments, tu es si jeune, t'as que dans les trentaines. J'ai pris les deux médicaments. J'étais diagnostiquée hypertendue en 2017. Et j'ai pris les deux médicaments plus forts que le matin. J'ai prié, et quand j'ai expliqué à mon ancienne collègue, elle m'a dit non, il faut que tu écoutes Ganguka. Bon, je lui dis la vérité,
Ça me disait rien. Un jour, j'ai écouté, je me disais, c'est quoi ça encore? Kanguka, c'est quoi encore Kanguka? J'avais tellement peur de me connecter en écoutant d'autres prières. Bon, j'ai laissé tomber. Et cette année, elle m'a encore aidé. Elle m'a dit, ah, est-ce que tu continues d'écouter Kanguka? Il faut écouter. Et un jour, Dieu m'a visité. Je me suis connectée, j'ai écouté les prières. J'ai tombé sur un témoignage d'une sœur qui souffre de l'hypertension. Et j'ai mis aussi la foi et j'ai commencé à prier. Un jour, j'ai prié. On rentrait des vacances sur la route et j'écoutais la prière. Du coup, j'ai senti l'envie de vomir. J'avais mal partout. On dirait on me tapait le marteau sur la tête. J'ai dit à mon mari, on doit s'arrêter. J'étais pas bien. On s'est arrêté un peu. C'est passé. En fait, j'avais envie de vomir. Je vomissais pas. On est rentré à la maison. J'étais pas bien. J'avais des migraines partout. J'ai dormi dans le noir. Et le lendemain jeudi, la prière du jeudi, je réécoutais du coup et je suis parti vomir. Je commençais à vomir. En fait, je vomissais toute la nourriture que je mangeais la veille. Je vomissais. Je me disais, hey, Seigneur. En fait, je pense que j'ai eu ma guérison. En fait, dans la prière de mercredi, Christ avait dit, il y a une sœur qui souffre de l'hypertension. Il y a un papa qui souffre de l'hypertension. Mettez la main sur le cœur. J'ai posé ma main droite sur le cœur. J'ai commencé à prier. Mon corps est le temple de Dieu. Tout esprit compté qui a siégé dans mon corps, qui m'a amené la maladie de l'hypertension. Reçois le feu. J'ai brisé cette alliance au nom de Jésus. Et c'est là que j'ai eu cette manifestation. J'avais mal partout. J'avais des céphalées la veille. Et la prière de jeudi, j'ai recommencé de l'écouter. Et là, j'ai eu une manifestation. J'ai eu l'invitation du Seigneur Jésus-Christ. J'ai commencé à vomir. Je vous dis, je prends aucun médicament. Parce que des fois, quand je prenais pas les médicaments de la tension, même 2 jours, j'étais pas bien. J'avais des réactions de l'hypertension. Donc là, j'ai aucun médicament, je prends. Ma tension, elle est parfaite. J'ai plus des signes de la personne qui est hypertendue. Je bénis le Seigneur. Je sais que vraiment, Dieu est avec vous. Vous êtes un homme de Dieu. Que Dieu protège tous les intercesseurs qui sont avec vous. Que Dieu vous protège au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je témoigne. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens de rendre mon témoignage. Je veux d'abord demander pardon à Dieu parce que j'ai reçu mon témoignage en avril 2021. Ça fait 2 ans déjà que j'ai reçu mon témoignage. Et je n'arrivais pas à témoigner. Je me suis levée, j'ai dit à Dieu que Seigneur, je veux témoigner à Kanguka. Il faut que je témoigne à Kanguka. Il est vrai que je sers déjà dans une assemblée. Mais il faut que je témoigne à Kanguka. Parce que ce qui s'est passé, c'est parce que j'ai écouté la prière. Je tiens à rappeler que j'ai fait 6 mois. J'avais comme une envie de vomir. Mais je n'arrivais pas à vomir. Je sentais quelque chose coincé à l'œsophage. Mais je n'arrivais pas à l'enlever. J'essayais sans résultat. En avril, le 10 avril 2021, j'ai l'habitude d'écouter Kanguka les émissions, les enseignements, les prières. Ce jour-là, j'ai écouté la prière comme d'habitude. Le pasteur pouvait dire, je vois 2 femmes qui veulent vomir. Une va vomir maintenant, l'autre va vomir après. Lorsque la prière est finie, rien ne s'est passé. Je me suis levée, j'ai juste dit merci Seigneur parce que je sais que tu as fait. Je me suis levée, je suis allée au champ. Au retour du champ, à 23 heures avant de dormir, j'ai encore écouté la prière. Parce que je suis arrivée au même endroit où le pasteur pouvait dire, je vois 2 femmes, une va vomir maintenant et une va vomir après. Je vous assure que j'ai vomi du gluant, rien que du gluant. Ça avait une couleur, c'était noir, c'était comme si c'était de la terre, mais c'était gluant. Gluant, c'était beaucoup. Le petit seau de 5 litres pouvait être au milieu, j'ai vomi. Après vomir, j'ai dormi comme un bébé. Lorsque j'ai dormi, je me suis réveillée le matin, je n'avais plus cette envie de vomir. Je n'avais plus ce truc qui était coincé à l'œsophage. Mais vraiment, je viens dire merci au pasteur. Pour son temps qu'il prend, pour la prière, pour les enseignements, vraiment. Merci, pasteur. Et je viens glorifier encore le nom de Dieu parce que sa main n'est pas courte pour agir. Shalom.
Alors, j'ai béni l'Éternel qui m'a permis d'avoir l'émission Kanguka au travers de ma grande sœur. Je veux rendre ce témoignage pour rendre gloire à l'Éternel. En effet, j'ai eu une violente douleur de mal de gorge après avoir participé à des obsèques au village. Quand je suis arrivé, toute ma voix est partie. Ma gorge me faisait terriblement mal. J'ai prié. J'ai demandé au Seigneur de me délivrer. Et j'ai mis l'émission Kanguka, la prière d'un samedi. J'ai prié. Et je suis allé faire des courses. Quand je suis revenu, ma servante a préparé. Dès que j'ai mis la nourriture dans ma bouche, j'ai eu envie de vomir. Je suis allé dans les toilettes et j'ai vomi. Mon mari m'a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, mais est-ce que je viens de manger la mer remontée? J'ai vomi. Je vous assure qu'après cela, oh, je me suis senti bien. La douleur a disparu. Ma voix qui était complètement partie est revenue. Et je vais rendre gloire à l'Éternel. Je vais dire merci au Dieu très haut. J'ai béni l'Éternel au nom de Jésus pour m'avoir libéré de cette douleur de gorge. J'ai béni l'Éternel au nom de Jésus pour m'avoir guéri totalement de ce mal de gorge. J'ai béni l'Éternel pour m'avoir visité au travers de ces vomissements. Paix soit bénie. Oh, mes frères, il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Aujourd'hui, je vous parle, je n'ai plus mal à la gorge. Ma voix est sortie complètement. Je vais dire merci à Christ, merci à son équipe, merci aux intercesseurs, merci à sa famille, merci de tout cœur. Oh, shalom, j'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.